Mon ami Lion, hein, bienvenue chez Dan pour ton taroscope de ce mois d'avril 2024. J'espère que tu vas bien. On va regarder avec un premier arcane majeur le ton qui est donné pour ce mois d'avril 2024, que tu sois Lion en signe solaire, en signe lunaire, Lion à l'ascendant. On creusera avec des oracles, une lecture du tarot. Sur le général et le sentimental, ce qu'il en est, tu peux évidemment compléter cette lecture par ce qui se passe pour ton signe ascendant et ton signe lunaire. Merci d'être chez Dan, merci pour le commentaire que tu laisses, pour le pouce que tu laisses pour soutenir la chaîne et la vidéo. Les commentaires sont importants parce qu'ils permettent aussi à d'autres natifs du signe de regarder comment tout ça fait écho dans la vie des uns des autres. Et je trouve que c'est toujours très très bon de laisser des témoignages. D'autant plus que, mon ami Lion, je ne te cache pas que c'est flou, il y a des ratés au démarrage. Je t'explique, hein, sur tous les signes précédents, hein, les premières prises ont été les bonnes, il n'y a pas eu de souci. Pour toi, j'ai pas arrêté de bafouiller. Donc on n'en est pas à la première prise. Et peut-être que ce mois d'avril, il va t'inviter à un repositionnement pour aller mettre justement de la lumière, de la netteté, de la clarté, hein, sur des situations qui sont floues, sur des valeurs qui sont floues, sur des postures qui sont floues. Et apporter quelque chose de plus lisible pour les autres, mais de plus lisible pour toi aussi, parce que avant tout, c'est ça qui est primordial. Allez, on va sans plus tarder, hein, regarder ce qu'il en est. Hop, arcane majeur pour les natifs du Lion. Tu prends évidemment ce qui résonne avec toi, le reste tu le mets de côté et tu vas compléter avec d'autres lectures si besoin. Lion, hop, un premier arcane majeur sur le mois d'avril 2024 pour les Lions. Hop. J'en ai trois qui sont retournés. Ah, je vais pas les garder les trois, ça fait beaucoup. Mais enfin, pour info, j'ai l'arcane sans nom, le battleur et l'amoureux. Donc il y aura vraiment l'idée de couper avec quelque chose et de redémarrer avec des outils que tu connais peut-être pas nécessairement, que tu possèdes pas, mais l'idée c'est de commencer à les tester, d'affiner au fur et à mesure et d'accepter d'être confronté à des choix, à des contradictions, d'accepter le fait que entre les deux options d'une alternative, accepter que tu puisses pas te décider tout de suite et maintenant. Je vais en garder qu'une, hein, sur les. Enfin, je la remets dans le jeu, je rebrasse. Hein, je te dis, c'est pas. Il va être challengeant ce mois d'avril, je te le dis d'ores et déjà. Après, ça ne veut pas dire qu'il va être difficile. Hein. Ça veut dire qu'il va peut-être te demander un effort supplémentaire. Je vais dire ça comme ça, un effort supplémentaire. Et j'ai. Ouais, bon. J'ai l'étoile. L'étoile me parle de. J'ai l'étoile et l'impératrice, hein, d'autres paquets. On sait qu'il y a quelque chose qui est. On sait qu'il y a quelque chose qui est programmé. Pour moi, c'est une transformation qui est programmée. Et je m'interroge toujours quand je vois l'étoile. Alors pour moi, l'étoile, c'est une carte qui est extrêmement positive, mais qui n'est pas positive à court terme, qui est positive à long terme. Il y a une question d'aller garder la foi. Il y a une question d'aller garder la foi dans ce qui est censé être ta mission de vie. Peut-être que tu es en train de t'interroger sur ça actuellement. Mais cette mission de vie, elle est voilée, elle est cachée par plusieurs choses. Pour moi, avec cette carte, cette mission de vie, la place que tu dois occuper, la posture que tu dois prendre, elle est cachée parce que tu ne regardes pas vers les étoiles, tu es en train de regarder vers autre chose, tu es en train de regarder sur le sol, tu es en train de mettre un genou à terre. Pour moi, c'est un mois qui va se passer sur des valeurs d'authenticité. À cause de cette carte qui est dénudée, des valeurs d'authenticité, des valeurs d'humilité aussi. Quand on met un genou à terre, on n'est pas le lion orgueilleux, on n'est pas le lion qui vocifère. La crinière, on est en train de la plaquer sur ses cheveux à grands coups de renfort de gel, si tu vois ce que je veux dire. Tu saisis l'image, quoi. Ça va peut-être pas forcément un mois pour se mettre en avant, ça va être plutôt un mois. Où il y a un travail pour. Mettre quelque chose en évidence.
Cette chose qui est mise en évidence pour moi, c'est un trop-plein. Il y a un trop-plein qui est. Il y a quelque chose qui a à rendre à la terre. Il y a quelque chose qui a à rendre à la terre, qui a à rendre à l'eau. Il y a une question d'aller se purger de quelque chose, de se purger pour aller retrouver une forme d'authenticité, une forme de. J'ai pas envie de dire de pureté, j'aime pas le mot pureté. Pour moi, ça a toujours une connotation qui est très, très extrémiste, la notion de pureté. Mais de simplicité, d'authenticité. D'être en connexion avec soi, d'être en connexion avec soi avant d'aller se connecter à plus haut. Et sur ce mois d'avril, l'étoile, elle invite à aller déverser des trop-pleins pour moi. C'est des trop-pleins émotionnels, des trop-pleins de travail, des trop-pleins de responsabilités, des trop-pleins de dossiers hein, qui ont été peut-être laissés en suspens et qui sont à régler, qui sont à clôturer. Il y a une question aussi d'arrêter de garder pour soi des sentiments qui peuvent être enfouis, qui sont profonds, qui sont refoulés, qui ont besoin d'être rendus à la terre parce que soit ça ne t'appartient pas, soit ça ne t'appartient plus. Et soit c'est le passage obligé pour aller développer quelque chose de plus harmonieux, de plus tranquille, mais tout ça se passe sur du long terme. Il y a une question d'être dépossédé de quelque chose qu'on pensait être soi. Alors ça peut être des valeurs qu'on pensait incarner, que finalement on n'incarne pas tant que ça, parce que quand on regarde ce qui s'est passé à l'aune des actes des années passées, ben, on n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on voulait défendre. Et je pense qu'il faut accepter le fait que les valeurs qu'on avait dans la tête, ce n'est pas nécessairement les valeurs qu'on a réussi à incarner. Et que finalement, dans cette recherche d'authenticité, il y a accepter le lion que l'on est tel que l'on est, et pas tel que l'on n'aurait pu se voir tel qu'on voudrait être, tel qu'on aurait pu prendre pour soi une représentation qui finalement n'est pas soi. Et que la transformation, elle va se faire, mais que pour le moment, il y a une histoire de décapage. On perd ses vêtements, on perd ses vêtements, on perd un peu de sa superbe, mais en perdant de sa superbe, les cheveux, ils sont pas en or ici. Hein. Les cheveux, ils sont noirs, ils sont sombres. Et je te dis, ils sont plaqués sur la tête. Hein. On n'est pas sur la crinière, on n'est pas sur sur le brushing hyper volumineux, pardon. Il y a l'idée de savoir en coin qu'il y a une transformation qui va se faire. Hein. On a l'oiseau alchimique qui est posé sur un des arbustes là, de cette carte. J'entends aussi qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit. Alors ça peut être tes rêves, ça peut être les relations que tu as avec ton inconscient, ça peut être ton inconscient qui vient se manifester. Il y a une forme de réajustement qui pour moi est difficile à encaisser hein, parce qu'il vient heurter une représentation de toi qui finalement n'est pas toi. Il y a quelque chose qui est difficile à encaisser mais qui va être aussi de l'ordre d'un grand soulagement. Parce que ça va te permettre aussi de déposer les armes, pour des combats qui sont pas les tiens. La carte de l'étoile, elle suit la carte de la maison Dieu. Après, la maison Dieu, on fait tomber les masques, on regagne en authenticité, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Il y a une question d'aller dissoudre son ego, quelque part. Je ne sais pas comment ça te parle. Il y a une question d'aller. Je synthétise, hein, je resynthétise, d'aller gagner en simplicité, en authenticité, en humilité. Voilà, il y a une question d'aller se poser tel qu'on est réellement, de s'accepter tel qu'on est réellement. Et avec cette carte de l'amphore, hein, l'amphore qui retourne à la terre, pour moi, c'est aller nourrir des graines qui sont plantées dans le sol. Quelque chose qui est en germe, qui va finir tôt ou tard par se manifester et sur lequel tu as quelques indices actuellement, mais ça t'échappe encore. Et l'autre amphore qui retourne à l'eau, pour moi, quand tu verses de l'eau dans de l'eau, ça vient troubler une forme d'équilibre, une forme de reflet. Et pour moi, le reflet qu'on voit dans l'eau, c'est toujours l'histoire de Narcisse. Et aller déverser son trop-plein émotionnel dans de la flotte, pour moi, c'est une façon d'aller troubler hein, cette image-là, qui n'est pas la tienne. Et c'est une question de. Peut-être que ton trop-plein émotionnel, c'est quelque chose qui va aller
troubler une forme de figure narcissique. On en a tous une, hein, quel que soit le signe qui nous gère. On a tous une part d'ego, on a tous une part sur lequel on n'est pas nécessairement en adéquation entre qui on est, ce qu'on propose aux autres, ce qu'on présente aux autres. Et sur ce mois d'avril, l'idée, c'est aller dissoudre cette face-là de soi-même. Parce qu'il y a une question d'authenticité qui est à défendre. Et j'entends reconnaître qui on est. C'est pas découvrir qui on est. On n'en est pas là. C'est pas l'idée. Ça le sera peut-être sur le long terme. De toute façon, la quête de soi-même, c'est quelque chose qui occupe une vie. C'est pas découvrir qui on est, c'est reconnaître qui on est. C'est connaître à nouveau. Avec les acceptions claires et les acceptions sombres. Hein. Parce que dans ce jeu-là, l'étoile se passe la nuit. Dans d'autres jeux, ça se passe le jour. Et sur ce jeu-là, ça se passe la nuit. Donc pour moi, il y a quelque chose de caché dont tu es en train de prendre conscience et que tu es en train de rendre soit à la terre, soit à la mer, soit à l'eau. Tu es en train de rendre ce qui t'appartient pas, tu es en train de rendre ce qui t'a pollué aussi. Je sais pas, à voir. On va creuser, hein. On va creuser tout ça avec une première lecture du tarot sur les énergies générales, mon ami Lion. Ah. Tu vois, j'ai l'idée d'aller défendre quelque chose qui peut être fécond, des projets sur lesquels tu es en train de réfléchir, des projets sur lesquels tu voudrais travailler, tu es en train de te pencher. Il y a quelque chose qui est en gestation. Mais pour ça, il y a besoin d'un temps de repos, il y a besoin d'un temps de ressourcement. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée, il y a peut-être une forme de blessure, hein, sur laquelle on a besoin d'apporter une forme de, comment je veux dire ça, raccommodage. Il y a quelque chose qui a rafistolé dans la tranquillité, qui a rafistolé dans le silence. Et sur un des premiers tirages qui a foiré, sur lequel j'ai bafouillé, c'est l'ermite était sorti. Mais pour moi, c'est pareil, il y a une histoire d'aller couper la communication, d'aller rentrer en soi-même. D'aller rentrer en soi-même en se disant, oui, on finira tôt ou tard par se manifester, par manifester l'envie d'aller réaliser quelque chose. Mais ça. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une posture, c'est peut-être une dynamique, une forme d'énergie qui va s'étaler sur toute la durée de ce mois d'avril. C'est comment je vais aller mettre en œuvre la réalisation de projets qui me tiennent à cœur. Mais pour ça, il ne faut pas que je sois parasité. Et c'est l'écho de la solitude. Du silence, de la tranquillité. Il y a peut-être le besoin d'aller soigner son sommeil aussi, d'aller faire des siestes, de se ressourcer, peut-être de prendre même des jours de repos, des jours de vacances, des jours loin des autres. Parce qu'on a besoin de rafistoler quelque chose en soi. Un million, qu'est-ce que le tarot me dit pour toi? On est dans l'expectative d'un changement. Pour le moment, on est en train de contempler. On est en train de contempler les possibilités. Les possibilités qui sont devant soi. On n'est pas encore debout. Alors, c'est drôle parce que là aussi, dans d'autres jeux, sur le 2 de bâton, il est très particulier ton tirage. Sur le 2 de bâton, dans d'autres jeux, la personne, elle est debout et elle tient les deux bâtons. Là, la personne, elle est couchée. Elle est assise au sol, là aussi. Hein, tu vois, il y a une question de poser un genou à terre. Il y a une question d'aller construire une droiture, mais cette droiture, on ne l'affirme pas sur le mois d'avril. On prend conscience que, quelque part, elle n'est pas présente en soi, qui a besoin de se poser à terre. Pour moi, il y a cette histoire d'humilité, hein, qui est à redécouvrir. Humilité, authenticité. Aller regarder la direction qu'on veut prendre aussi. Est-ce que c'est celle-là qu'on veut? Est-ce que c'est ce projet-là qu'on a envie de développer? Est-ce que c'est cette voie-là dans laquelle on a envie de s'engager? On appuie probablement sur le bouton pause en se disant, mais il est urgent d'attendre, il est urgent de réfléchir.
Il est urgent de préparer quelque chose avant de se lancer dans une direction donnée. Pour le moment, je suis pas prête. Je suis pas prêt. Il y a une question de l'accepter. Il y a une question de l'accueillir. Ce temps de réflexion qui est nécessaire et de pas monter au créneau sous prétexte de défendre une fierté, une parole, une valeur, un engagement. Non, on appuie sur le bouton pause. On déconstruit une forme de représentation de soi, à mon avis. On ménage sa monture parce qu'on a besoin d'aller loin, on a besoin de se projeter loin. On sait que de toute façon, on va avancer dans une direction nouvelle et que pour le moment, presque on désosse la voiture, hein. On désosse la voiture pour être au clair avec les pièces qui sont à changer et les pièces qui sont juste à nettoyer et à conserver. Et pour moi, ta psyché, mon ami Lion, elle est un peu dans cet état-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas compter sur quelque chose qui n'est pas viable et qui continue à perdurer à l'intérieur de ta psyché, de ton âme, de tes valeurs, de ce dans quoi tu t'es lancé, de ce dans quoi t'as incarné. T'as incarné quelque chose à présent et une question d'aller étudier des opportunités aussi. Il y a une situation sur laquelle il y a besoin de ramener de l'équilibre. Pour moi, cet équilibre, il est intérieur et c'est presque une forme de réconciliation avec soi-même qui est à opérer sur ce mois d'avril. Il est très introspectif. Très, très introspectif ce mois d'avril. Quelque chose qui est double, quelque chose qui est double chez toi, quelque chose qui est double sur ce mois d'avril chez toi, c'est il y a une forme de transformation, il y a une forme de sublimation de quelque chose. On va peut-être laisser s'envoler une image de soi qui correspond plus, qui correspond plus. Ce mois d'avril, à partir du moment où on quitte cette forme d'obstination. Il y a des opportunités nouvelles qui vont se présenter. Je ne sais pas si c'est une question de synchronicité. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Pour le moment, on est sur l'étude de ces opportunités parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si c'est en or 24 carats ou en toc. Et quand bien même, si ça se trouve, la bonne opportunité, c'est celle qui est en toc parce qu'elle va t'apprendre. Elle va venir t'enrichir. Même tes échecs viennent t'enrichir. Pour moi, il y a toujours cette histoire de sommeil qui n'est pas clair là. De sommeil qui n'est pas clair. Ça peut être un passage obligé. Derrière, il y a quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de radicalement différent qui te demande de toute façon de poser. Tu vois, il y a toujours cette histoire d'aller poser le trop-plein. De couper, d'en finir avec des situations qui peuvent te drainer, qui peuvent te fatiguer, qui peuvent te pomper énergétiquement. La transformation est derrière. Pour moi, ce mois d'avril, il y a aussi le fait de passer à côté de certaines opportunités parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on ne les comprend pas. On ne comprend pas que ce sont des opportunités. Il y aura peut-être, il y a un passage délicat. Il y a un passage délicat pour moi qui est à franchir parce que. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 2 d'épée? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose que tu vois pas? On peut passer à côté de certaines opportunités, de bonnes opportunités, parce qu'on est pris dans ces réflexions, on est pris dans ces hésitations.
J'ai le 2 de bâton, j'ai le 2 d'épée, j'ai le jugement, 2 plus 0, ça me fait 2. On est sans arrêt sur de la bascule. Il y a une histoire d'équilibre sur laquelle on a du mal. On a du mal à trouver une position d'équilibre sur ce mois d'avril. On a besoin de travailler sur ça. Message qui va parler, mais peut-être pas nécessairement à tout le monde, c'est la porte de sortie, hein, ça peut être aussi de renoncer à avoir la victoire sur dans certaines situations. Magicien 6 d'épée. On va peut-être retrouver une marge de manœuvre en cherchant une porte de sortie. En acceptant d'avoir tort aussi, il faut le reconnaître, hein, en acceptant d'avoir tort vis-à-vis des choix qu'on a pu opérer dans le passé, là aussi, hein, je reviens sur une relecture des actes. Sur une relecture des actes, à quel moment j'ai été un usurpateur ou une usurpatrice, à quel moment j'ai été sincère, sincère avec moi, sincère avec les autres, sans aller nécessairement les écraser, sans aller nécessairement imposer un point de vue. Pour moi, il y a un énorme travail sur l'humilité qu'il y a à faire sur ce mois d'avril. Accepter qu'on a eu tort, accepter qu'on a fait des mauvais choix. L'acceptation de ce qui a été fait va être un facilitateur du redémarrage. C'est-à-dire que tant que tu es bloqué sur une situation, hein, qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été acceptée, sur laquelle tu as pu perdre la face, sur laquelle tu as pu perdre de l'argent, sur laquelle tu as pu laisser passer des opportunités. Il y a l'idée d'accepter qu'on ait pu faire des mauvais choix, sans aller sombrer dans la culpabilité, sans aller sombrer dans le mea culpa, sans aller se fouetter la nuit. Il y a ce travail de digestion de ce que je te dis depuis le début du tirage, entre ce que tu as pu faire dans le passé parce que tu pensais que ça correspondait à ce qu'il fallait incarner, hein, parce que c'était une représentation de toi, et qui finalement ne correspond pas à qui on est. On n'est que des êtres humains. On est faillible. On n'est pas parfait, on est perfectible. Tout le travail d'une vie, c'est ce travail d'apprentissage-là, de rééquilibrage aussi. Et le 6 de denier dans cette position t'invite aussi à pas rejeter systématiquement la faute sur toute personne extérieure, prendre ta part de responsabilité dans ce qui a été acté, et pas pécher par excès contraire, en se disant tout est de ma faute. Il rejoint, hein, ce travail d'humilité-là. Est-ce que dans quelque chose qui a pu foirer dans le passé, tout est nécessairement de ta faute? On n'est pas si important que ça. On n'est pas si important que ça. Et la part de responsabilité que tu dois endosser, elle ne vient pas entacher tant que ça la personne que tu es. Hop. En d'autres paquets, j'ai le 4 de coupe. Quelque chose qui a. Un message qui dit, mais en fait, moi, Lion, sur ce mois d'avril, je suis en train de prendre conscience qu'il y a parfois des situations où je m'auto-soule, où je me saoule moi-même. Où ça ne me ressemble pas. Va falloir l'accepter, il va falloir l'intégrer. Ça fait partie d'une forme d'acceptation. Pour moi, il y a un goulot d'étranglement sur ce mois d'avril. Où à chaque fois, il y a besoin d'aller affronter quelque chose de désagréable pour retrouver une forme de soulagement derrière. L'acceptation va accélérer le soulagement. Où le soulagement n'est pas disponible, n'est pas accessible, tant qu'il n'y a pas cette phase d'acceptation. Quatre de coupe, roi de denier. Derrière, j'ai trois de coupe, lune, roi de coupe et la roue de fortune. Il y a un recalibrage émotionnel là qui est à faire sur ce mois d'avril. Et ça passe par la notion de valeur pour moi.
Alors ça peut se passer de façon générale, de façon intérieure, ça peut se passer au travail, ça peut se passer de façon... Pour moi, il y a beaucoup de relationnel dans l'histoire. C'est une question de cœur. De cœur dans ce que tu fais, dans ce que tu incarnes. Alors, question de cœur, on va regarder ce qui se passe aussi du côté sentimental. Je vais faire deux tirages. Qu'est-ce qui se passe pour le lion célibataire? Non, mais ça revient, hein. Ça revient, hein. Alors, dans ce sens-là, pour moi, jugement 5 de coupe, c'est... Il y a un côté mea culpa qui est à faire. Et il y a un côté, on arrête les drames aussi. On arrête de surenchérir dans le c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est bon. Là aussi, hein, j'entends qu'il y a un moment où il y a un moment où tu vas te faire souffler dans les bronches. Accepte. Accepte le truc, passe à autre chose. En sachant que désormais, ça fait partie de toi, mais ce n'est pas quelque chose qui vient plomber une personnalité, ou ce n'est pas quelque chose qui vient plomber tes qualités. C'est l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il y a une question de recalibrage. Pour les 5 de coupe, jugement, il y a toujours une histoire d'humilité. Et là aussi, c'est le goulot d'étranglement. Plus tu vas être dans l'acceptation, plus tu vas faciliter la digestion émotionnelle de ce passage-là, et plus vite ta deuxième chance, elle va arriver, tes bonnes opportunités, elles vont venir se présenter, et tu auras la clarté hein, pour aller identifier tout ça. C'est un mois d'apprentissage. Hein. Lion célibataire. Tu vois, ça rejoint les énergies générales. Lion célibataire, qu'est-ce qu'on te dit? Lion célibataire sur ce mois d'avril. T'as toujours pas compris qu'il y a du courant dans la prise, hein. Il va falloir encore t'y remettre les doigts, hein. Il va falloir encore t'y remettre, si tu m'excuses, hein. Quelque chose qui n'est pas si sincère que ça. Qui n'est pas si sincère dans les propositions qui arrivent là. Il y a un côté trop beau pour être vrai. Dans la personne que tu peux rencontrer, dans l'énergie que tu peux dégager. Il y a toujours cette histoire d'image d'épinal, de bonheur qui est à défendre, mais ça passe par des ports de masque. La passion, elle n'est pas si présente que ça, en fait. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Mais après, on est toujours dans... On est toujours un peu dans ces énergies miroirs, hein. On attire qui on est. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas tirer des personnes qui peuvent être passionnées, passionnantes aussi, mais derrière, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est du feu de paille. Si tu en prends conscience, tu peux là aussi accélérer cette forme d'apaisement. On y revient, hein? On y revient, hein. J'ai deux fois le 6 d'épée. Hein. Hop. Il y a une question d'arrêter, de... La progression, elle va se faire là aussi dans arrêter la recherche de systématiquement de vouloir expliquer les choses, systématiquement d'avoir du recul sur les choses. Systématiquement d'aller pontifier sur des situations où tu voudrais finir par sauver la face. Pour moi, il y a une question de... Une question de mise en retrait. Question de mise en retrait. Quelque chose ne fonctionne pas. Il y a une passion qui allait à réinterroger.
Parce que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas hyper sincère. Autre message hyper particulier, on peut ressentir une énorme attirance pour quelqu'un, mais on sait qu'on ne va pas. On va pas monter au créneau. Parce que. Je vais être très cru, hein, on peut annoncer des sentiments qui, en fait, ne font part que d'un désir physique. Mais on promet monts et merveilles alors que en fait on a juste envie d'un échange de plaisir. Pour d'autres personnes, ça peut être. Ouais, il y a une passion qu'on n'arrive pas à avouer. On peut fantasmer sur quelqu'un sans qu'il y ait une réalisation concrète. Parce que, au fond de soi, dans les viscères, tu comprends que. L'heure du passage à l'acte n'est pas encore venue. Ouais, c'est léger. Les propositions, c'est léger, c'est très léger. On peut s'amuser sur les réseaux. On peut s'amuser à brancher. Attention à. On peut. Alors, attention. Alors, c'est. On peut. Biaiser une rencontre parce que sur les réseaux, la personne qu'on décrit, c'est pas la personne qu'on est. Parce que il y a cette phase de réinterrogation de manière générale sur les énergies qu'on incarne et les énergies qu'on défend. Donc, il y a une histoire de vessie qu'on veut faire passer pour des lanternes. Ça peut venir des autres, ça peut venir de toi. À voir, hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Bah, on y revient, hein. Trouver un équilibre intérieur dans l'échange. Dans l'échange. Et peut-être aussi se préserver des beaux parleurs. Et il y a une question d'aller tester la confiance de son interlocuteur, de son interlocutrice, pour savoir si on peut aller plus loin et jouer un peu carte sur table. En disant, voilà, je suis peut-être à une période de ma vie où je suis en train de m'interroger ou de me réinterroger. J'en ai tiré beaucoup, donc je vais les reprendre. Qu'est-ce qui se passe pour les lions qui sont. En couple ou dans une triangulaire. Lion en couple, triangulaire, avril 2024. On y revient, hein, 4 d'épée. Hein. On a besoin de temps. Hop. On a besoin de temps ici. Alors, ce qui est étrange, c'est que. Est-ce que je peux la retrouver hein, sans bouffer énormément de temps au chronomètre? La 6 de denier. Parce que la 6 de denier dans ce jeu me fait beaucoup penser à ce qui se passe dans le vitrail. Hop. Donc, l'échange, le partage, pour le moment, c'est quelque chose qu'on met de côté parce qu'on est en pleine introspection, y compris dans sa relation. Il y a aussi toujours cette histoire de bonne volonté, hein, d'aller apporter de la clarté, hein, d'aller apporter de. Une lecture simple, une lecture saine, une lecture tranquille d'une situation sur laquelle on a besoin d'apporter un nouveau regard aussi. Tu vois, je te disais, sur cette carte-là, pour moi, on la retrouve en miniature ici. Donc il y a une question, on vise à l'équilibre, mais cet équilibre, pour le moment, on travaille dessus, mais on travaille dessus de façon perso. On a la bonne idée. On peut avoir la bonne idée, on t'invite à avoir la bonne idée d'aller en parler avec ton conjoint. L'échange, c'est pas la communication à outrance en fait, c'est parler parce qu'on a quelque chose à dire. Parler parce qu'on a quelque chose à construire ensemble. Et. J'en reviens, hein. C'est pas parler pour parler hein, ou pour se redorer le blason. Parce qu'il y a, il y a un travail d'effacement pour moi sur ce mois d'avril. Ouais. On peut travailler aussi à apaiser quelque chose dans le couple, à faire qu'un couple fonctionne mieux. Et j'entends que pour ça, tu es prêt à mettre la main à la pâte.
message très particulier parce que 5 de coupe, jugement que j'ai eu tout à l'heure. J'ai l'as d'épée, j'ai le 4 d'épée et le 8 de denier. Certaines et certains qui se pensaient célibataires sont en fait en couple, mais en couple avec quelqu'un qui n'est plus là. Qui n'est plus là physiquement, qui n'est plus là géographiquement. Et tu es peut-être en train de travailler à mettre en lumière cette forme de dépendance affective qui est encore présente. On est accroché. Il y a des liens qui ne sont pas des liens de cœur, qui sont des liens de tête. Parce que tout ça, ça se passe dans le mental. Ça se passe dans le mental. On n'est plus dans le sentiment. On est dans le culte du souvenir. Le culte c'était bien avant. Le culte je suis sans arrêt dans la réparation d'une rupture, de quelque chose qui fait que c'est plus présent. C'est comme si tu étais en couple avec un fantôme, en fait. Très particulier ce message. Il revient en dos de deck. Ouais. Une question d'aller trouver la sérénité en se mettant à l'écart. On va pas chercher à avoir raison plus que ça. Que ce soit en couple, que ce soit en triangulaire, j'ai le monde et le pendu qui sont sortis. Donc le 21 et le 12. Et pour moi, c'est la quadrature du cercle. Il y a besoin de repenser un positionnement qu'on occupe au sein du couple. J'entends qu'il y a besoin d'aller travailler sur une forme de complémentarité entre les deux protagonistes. Mais pour moi, c'est un travail qui se fait à part. Il y a toujours cette question de représentation, il y a toujours cette question de je voudrais voir dans le miroir quelque chose de chouette, quelque chose de sain, quelque chose d'authentique, où on est entouré des bonnes énergies, on est entouré des bonnes personnes, on a le laurier de la victoire, on est en train de passer un cap, on est en train de construire avec le couple. Et en coulisses, ben on fait un peu marche arrière, on te dit, mais attends, attends, la réalité, c'est pas la réalité à laquelle tu penses. Il y a une question de représentation. L'image qui est dans le miroir n'est pas le sujet qui se reflète dans le miroir. On te demande d'aller travailler sur ça, de changer de point de vue. Peut-être d'aller chercher des histoires de comment tu peux reproduire dans ton couple ou dans ta relation à deux, à trois, si tu es en situation instable, comment tu peux reproduire quelque chose qui a été engrammé dans le passé, quelque chose qui a été engrammé, qui est hérité d'une histoire familiale, de blessures passées. Il y a une question de... On pense agir dans un sens et en fait on agit en sens inverse. Ou alors, ça peut dire aussi que si effectivement tu veux travailler sur une forme d'achèvement de quelque chose, de passer à une étape supérieure, qui peut être une étape de consécration comme une étape de séparation, l'idée de changer le fonctionnement du couple ou le fonctionnement de la relation, il y a besoin de retourner la situation, il y a besoin de la voir autrement, il y a besoin d'appuyer sur le bouton pause, de ne pas être dans l'action, d'être dans la réflexion, d'être dans le retrait, d'être dans l'introspection. De Zeus, quel tirage! Un projet qui te tient à cœur, hein, sur lequel tu as besoin d'avoir une réponse. Hein. Je te laisse te poser la question, donc ça va parler différemment à chacun, chacune. Et on va regarder ce que cet oracle a à te dire en termes de réalisation de ce projet-là. Début d'un nouveau cycle romantique, il y a une question de retour à l'équilibre. Pour moi, il y a toujours cette histoire de 6, de stabilité. Il y a une stabilité qui se fait, une stabilité qui se fait dans ce mois d'avril, sur le fait d'aller mettre un peu sa tête au placard quand même, d'aller retrouver de la sérénité, d'aller retrouver des équilibres sains, des échanges sains avec, j'allais dire, la répartition des tâches, la répartition de la culpabilité, la répartition des bonnes actions, des qualités, des défauts, tu vois ce que je veux dire? Une répartition qui est plus équilibrée et qui est plus réaliste aussi. Je te disais, il y a du flou, hein, il y a du flou.
Et avec cette nouvelle lune en balance, j'entends qu'il y a quelque chose qui va se produire à l'automne. Nouvelle lune en balance, il faudra regarder dans le calendrier quand est-ce qu'elle tombe. Et début d'un nouveau cycle romantique, j'entends qu'il y a quelque chose de plus équilibré en termes d'affect qui va revenir. J'ai même pas envie de parler de romantique, parce que pour moi, c'est le début d'un nouveau cycle. J'aurais peut-être besoin d'aller ratisser des situations, de passer la voiture balai, si tu vois les images auxquelles je pense. La nouvelle lune en bélier, elle arrive dans pas très longtemps. Nouvelle lune en balance, hein, je pense qu'il y a une question de 6 mois. Tu as 6 mois pour aller passer la voiture balai sur quelque chose qui a ramené à l'équilibre par rapport au projet où tu as posé ta question, par rapport à la question que tu as formulée. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour toi sur ce mois d'avril? Il est beau, mais il est copieux ce mois d'avril. Il y a une question d'aller se transformer pour moi. La chenille qui va devenir papillon, soit tu l'accueilles positivement et favorablement en te disant ok, la transformation va avoir lieu, mais de toute façon, j'ai tout à y gagner à la sortie. J'ai tout à y gagner à la sortie, mais je vais peut-être me faire secouer et me retrouver la tête en bas, les pieds en haut pendant un temps, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ou alors tu y vas à reculons, hein, tu y vas avec les chocottes, mais j'allais dire le résultat ne changera pas. Tu es la chenille qui va devenir papillon et qui va pendant un temps complètement se dissoudre et être sous forme liquide avant de passer à quelque chose de nouveau, parce que j'ai quand même le jugement hein, en plein milieu de ton tirage. Soit tu accueilles cette transformation en étant dans le flow, soit tu accueilles cette transformation en étant dans la résistance. Mais ça ne changera rien au fait. Mets le bras de fer là où il faut le mettre, en fait. Allez, hop. Voilà, j'ai la question de changement, la question de vent, la question de. Il y a une poétesse que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Huot, qui vit en pays d'Arles et qui aime beaucoup cette région parce que. Puis moi aussi, je l'aime beaucoup. Hein, le vent emporte les choses légères et laisse les choses lourdes. Il y a peut-être une forme d'insouciance, de légèreté, de superficialité qui est en train de s'envoler sur ce mois d'avril. Dans ce qui reste et qui n'a pas pu être emporté par le vent, mon ami Lion, on va te demander d'examiner ce qui te construit. Parce que c'est des qualités qui sont intrinsèques. Ou ce qui te ralentit, ce qui te freine, ce qui te brusque. Parce que tu n'es pas en adéquation avec toi-même, tu es dans un travail de représentation et donc de fausseté. On en revient à cette histoire d'authenticité, hein, sur laquelle il y a besoin de travailler. Merci. Merci d'être resté jusque-là. Je vais terminer avec une dernière carte d'oracle. Merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci du pouce que tu laisses, du commentaire que tu laisses. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de lions. Les témoignages des uns réconfortent les épisodes de vie des autres. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, c'est toujours un véritable plaisir que j'ai à vous lire et à vous accompagner, notamment sur guidance privée. Il y a énormément, énormément d'attentes, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que j'ai pour conclure? Je te disais, c'est un mal pour un bien. J'ai la carte de la libération et j'ai le cœur qui rayonne à nouveau. Il y a peut-être un travail de réharmonisation des chakras. Avec le 6 de denier en blocage et le 4 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, avec ce 6 de denier qui était prisonnier, prisonnier d'un mental qui a besoin de repos. Pour moi, il y a un travail de libération du chakra, peut-être le chakra du cœur, qui a travaillé. Il y a un besoin de s'accorder de l'indulgence, de la patience et de s'accorder de l'amour. Pas être uniquement le censeur de sa propre personne, mais être aussi le parent de sa propre personne, d'arriver à se prendre par la main et d'arriver à s'accompagner avec authenticité, avec indulgence, avec compassion et avec humilité. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Lion. Bon mois d'avril, très bon mois d'avril, à très très bientôt pour d'autres vidéos, je t'embrasse, à bientôt chez Dan, prends bien soin de toi, bye bye.